lamentable, on va dire. Lamentable? Oui, parce que les bouquinistes, c'est... ça fait je ne sais pas combien de temps que c'est ici, ça fait partie de la culture française, ça fait partie de l'image de Paris. Il faut déjà qu'on ait une certitude de pouvoir revenir, et en plus il faut qu'on soit défrayé, mais on ne peut pas les déplacer, ça, c'est pas possible. Ils peuvent très bien les fermer pour l'ouverture et les rouvrir, je sais pas, les sceller et les rouvrir. Ils ont peur qu'il y ait des bombes, on va pas placer des bombes. Et pour vous, ce serait par ailleurs une perte de revenus, j'imagine, pendant cette période. Bien sûr. Et est-ce que vous avez reçu une proposition pour combler vos pertes? Non. Aucune proposition? Vous pensez qu'il y en aura une à un moment ou pas? Mais bon, vu les temps qui courent, ouais. On n'est pas prioritaire peut-être. C'est bien dommage d'ailleurs, parce qu'on n'est pas classé à l'UNESCO, mais on est classé au patrimoine culturel. J'y ai pas cru, mais j'y crois toujours pas, je pense que ça va pas se passer. Voilà. Pourquoi vous pensez que ça va pas se passer? Je pense qu'ils sous-estiment déjà ce qu'il faut déployer pour déplacer plus d'un kilomètre de boîtes pour lesquelles sont là depuis plus de 150 ans sur le même mur. Je pense qu'ils sous-estiment aussi la volonté et la volonté qu'on peut avoir sur les quais quand on travaille là depuis des années et des années et des années. Et aussi, j'ai l'impression qu'ils ont oublié que ça fait partie du patrimoine, que c'est classé au patrimoine de l'UNESCO. Donc c'est pour moi c'est perdu d'avance cette histoire, effectivement. Je pense qu'ils vont nous faire fermer sans indemnité probablement, parce que on est des paysans et des gueux pour eux. Mais pour retirer les boîtes, non, pas possible. De toute façon, moi j'ai dit depuis le début, si jamais ils touchent aux boîtes, moi j'ai des chaînes et des menottes chez moi, bam, je m'accroche dessus, elles diront vues par les boîtes. Voilà. Et ils veulent nous mettre à Bastille et faire ce qu'ils appellent le village des bouquinistes, où ils mettraient des tentes blanches avec des tables blanches. Et on pourrait poser nos livres là, et les gens viendraient acheter, ce qui est probablement l'alternative la plus ridicule que j'ai entendue jusqu'à présent pour le problème des boîtes sur les quais pendant les JO. En quoi c'est ridicule? Mais parce que, par exemple, ce que moi je dis, c'est que personne n'est d'accord avec ça, et quand je dis personne, je dis personne. Je dis les Parisiens ne sont pas d'accord avec qu'on lève les boîtes. Les gens qui habitent à Bordeaux, Toulouse, Dijon, ils sont pas d'accord. Les touristes qui viennent des États-Unis, de Chine, d'Asie, je sais pas, ils sont pas d'accord. Même les gens qui travaillent à la mairie, ils sont pas d'accord. Il y a littéralement personne qui n'est d'accord. Les bouquinistes sont pas d'accord, évidemment. Personne n'est d'accord avec ça. Pas une seule personne. Et je pense que, franchement, limite, ça pourrait marcher pour nous, le village des bouquinistes, parce que les gens, ils auraient un petit peu de peine, et alors, par peine pour nous, ils viendraient nous acheter des trucs au village des bouquinistes. Mais quand vous voyez des boîtes vertes le long des quais, la Seine, l'hôtel de ville, Notre-Dame, etc., à Bastille, il y a quoi? Des bus, des voitures, des craquettes. C'est pas là qu'on est censé être, et c'est pas ça les bouquinistes. Les bouquinistes, c'est les boîtes vertes sur les quais, et ça va nulle part. Et ça reste comme ça. Sinon, on comprend pas bien, on nous a pas consultés, parce que nous, on n'est pas d'accord. On n'a que ça comme emploi, donc si on nous enlève les boîtes, on n'a plus d'emploi. On est sécurisé autrement qu'en les enlevant. On peut rester fermé pendant une semaine pour l'événement, mais on ne peut pas les enlever. Après, on n'a plus de travail. Enlever les bouquinistes, c'est comme enlever la Tour Eiffel, quoi. Et pourquoi? Là, si c'est pour la sécurité, il y a d'autres moyens, je pense. Nous, on fait des saisons et des fois, on a le monde entier qui vient sans les JO. On a aussi beaucoup de touristes. Donc, ce n'était pas une question seulement aussi de l'argent, bien sûr. Mais une fermeture qui risque de durer très longtemps ou un retrait des boîtes sur une durée, point d'interrogation, bon moment, ça va être un gros problème. Donc, ce qu'on veut, c'est maintenir nos boîtes sur les quais, enfin, sur les parapets, éventuellement les fermer un certain temps, c'est ce qu'on a demandé, fermer nos boîtes, et éventuellement, ils pourraient les emballer
Et pourquoi pas s'en servir de sponsor, puisqu'ils ne veulent pas que ce soit nous qui soyons sauvés. Pour la sécurité, par contre, on peut comprendre. On peut comprendre qu'il y a des soucis pour la sécurité. Cette boîte-là, par exemple, elle est calée. Voilà, regardez. Ah oui. On n'a que des cales. Ah oui, d'accord. Et on n'a pas le droit de se mettre sur le parapet, on n'a pas le droit de se fixer sur le parapet, mais par contre, on est calé. Donc on est calé, ok, on est la boîte, hein. Ouais, vu tout ce qu'elle a dedans, hein. Ouais. Et elle a le droit d'être attachée, là, à un autre, vous voyez, donc on est posé, et ensuite on est attaché à l'autre boîte. Oui, mais c'est tellement mignon, quoi. Moi, je préfère ça. Écoutez, nous, on n'est pas parmi de le bling bling du sud de la France. Oui. Et à chaque fois qu'on vient, on va voir les bouquins. Il n'y a pas les bouquins à Paris. Mais beaucoup viennent. Si ils y sont plus, moi, je viens plus à Paris.